définitivement, bagay la pren yon lot ampleur. Bandi vivant sam yo nan kouri, bandi yo pral gen bagay nan men yo. Et mes force Kenya arrivé, déjà 400 policiers déjà embarqué et descend souterrain là. Et mes jeune ap gade vidéo, matin avion qui atterri nan airport là, et mes vini avec 400 policiers Kenya et gen un pilote encore qui nan route kap vini. Et mes bandi yo pral gen bagay nan men yo. Et en pile mouton de chef gang Badelma Jimmy Cherizi alias Barbecue, et bien monsieur ça qui t'a adressé un message avec premier ministre Yen Gary Koni, c'est pour la première fois nous un Barbecue sache comme ça. Et bien Barbecue a metté monsieur devant nos PM nan, et dit PM nan pas rentrer dans bagay ça parce que jouet qui la libo sale et marqué sang. C'est pas ou même qui te mette zam nan men nou dans quartier populaire, c'est pas ou même tout qui te mette zam nan men nou pour capable faire l'autre monde pas venir investir en de pays. Même j'en tout, c'est pas ou même qui te mette zam pour armer jeune garçon avec jeune femme dans ghetto. Chaque lègue élection pour se ou même yon pote. Et mais Gary Koni recevoir un pile conseil dans mes barbecue. Koun a barbecue pas bandi, barbecue c'est conseil la baye premier ministre. Nan. Et mais monsieur a parlé, il parle en pile cause, en attendant de barbecue. Après ça, pour nous regarder vidéo côté soldat Kenya ou atterri matin, monsieur danse dans au yon pour tellement yon content et que président Ruto qui parle. Nous parlons de d'abord barbecue. Premier ministre Gary Koni. Monsieur Gary Koni, premier ministre pays d'Haïti. N'importe Jean Lé, n'importe Jean Lométo, premier ministre, mon gars, premier ministre net. Et personne ne peut douter des capacités intellectuelles. Personne ne peut douter des formations. PM, bon, zon bagay. Et vous ne pouvez pas mettre dans le quartier populaire. Ok? À ma connaissance, beaucoup de gens m'entendent on fois, on nèg qui gen zam nan men pour citer non comme nèg et qui te kon bay zam nan quartier populaire. Et bien ouais, je dis, hein, mais même m'a bon ça comme conseil. Pas occuper aucun politicien traditionnel qui te mette zam nan pays a pour déstabiliser gouvernement qui est là et que journée jodi a qui besoin metto devant comme pont pour venir prendre zam pour yo par la force. Premier ministre Koni, pas occupé aucun bourgeois, aucun oligarque qui te baye zam parce que vous pas vle gen compétition avec l'autre oligarque par yon, l'autre businessman par yon pour te craser, briser dans le pays pour yon et que journée Josiak pas gen contrôle zam yon, kap vin mando et que pour vin pren zam par la force. Ouais, ça gen la PM, son dialogue boulier. Prouvez le monde entier, ou ka make l'histoire. Comme on est qui vini, qui pas contribuer dans créer pays qui pas contribuer dans bay zam dans quartier populaire et puis je dis à pacifier pays ou capable. Mais meilleure façon pour pacifier pays c'est avec dialogue. Meilleure façon pour pacifier pays c'est avec quartier populaire. Mettez plus à terre PM. Mettez plus à terre. J'ai descendu visiter en bas la ville là et mettez plus à terre qu'on a commencé faire action. Action c'est qui s'allie. C'est pas occuper aucun monde comme chef CSPN non qui va venir faire opération tête en bas pour qu'il vienne gérer affaire par yo. Mettez plus à terre vous l'ai dit en bas d'elle m'a bloqué les salles. Fait nettoyer au pour nous. Quatre fois aviation ou t'encraser net craser côte papa nation en ya, monde qui ba nous indépendance, monde qui fait ou moun nous aujourd'hui. Monde qui fait moun aujourd'hui Jean-Jacques Dessalines, papa pays ya. Côté il y a salle là bouffatra. Voyez nettoyer station Gonaïve pour nous. Voyez nettoyer Echelon pour nous. Voyez nettoyer Kafou Aviation, pile Fatra. Et sous Fatra, nous vivons. Et c'est ça qu'on a dénoncé. Pas occuper les gens qui viennent pour faire ou capable faire. Ok? Voyez nettoyer zone ça pour nous. Comment c'est fait ça? Comment c'est un signal clair à nous? Ouais, je dis là, depuis l'on monte la première fois à Madrid, c'est pas vous. Nous en mode d'observation. Nous avons suivi. Nous avons suivi l'action. Je dis ça encore. Ou avez chance, je dis, pour écrire l'histoire pays ça. Comme nèg qui pas kon baye zam, qui pas kon baye bal dans le quartier populaire, et puis qui vini, qui pacifie pays ya, qui ramasse zam yo, et que qui fait élection, et que qui met pays sous route développement. Histoire gade au grand. Ok, PM. Nous faisons vidéo ça pour vous. Parce que nous même n'a pas observé,
Depuis nous, c'est pas sérieux à régler, nous apprenons tout nous. Nous apprenons tout nous parce que nous aimons le pays ça. Et changement, une besoin. Depuis nous, on vient pour changement, nous apprenons tout nous. Mais depuis nous, c'est même bagaille, on vient faire, nous avons déjà dans nous déjà. Nous avons connu. Nous ne pas aller en prison, pas en prison pour nous. Et là, mort. Parce que nous n'avons pas quitté mal en prison pour ne pas parler. Ok, PM. Prenez responsabilité. Nous avons suivi vous, le pays a suivi vous, le monde entier a suivi vous. Descend à droite pour eux. Hein, yo, maman. Ah bah dans cette ville, dans ce baron, moi, non. Mais c'est pas là pour mettre football. La bouteille des Alines. C'est ça. La bouteille des Alines. Allez. Bien, vite, pas bien content, hein. 4 gouttes de vinyche. Bon game. Ah mais oui, 4 gouttes de vinyche. 4 gouttes de vinyche. Pas de petit monde des autres pour la paix. Signifying our readiness to undertake this mission. Jehovah, signifying that continuity will always be there, irrespective of the odds or the challenges facing us ahead. As you go to Haiti, remember that your families, the people of Kenya, the government of Kenya, and me as your president, we are all behind you. We will support you. We will pray for you, and we will do everything possible for you to succeed in this mission, because we are a nation that believes in the rule of law. We are a nation that believes in freedom. We are a nation that believes in democracy. And the people of Haiti have been denied democracy. They have been denied freedom. They have been denied the rule of law by lawlessness, gangs, and criminals. And that is why, as a nation, we took up, when requested by the international community, we took up the responsibility to lead this mission into Haiti. Many people ask why Kenya was chosen by the international community. I want to tell you that the international community has confidence in you, your capabilities, your integrity, your professionalism, and what you can do to resolve this human challenge. I want to ask you not to let their faith in you, their confidence in you, don't let them down. And I am equally confident that the international community has chosen Kenya to take up this responsibility
because Kenya has what it takes. Kenya has the standing internationally, recognized by the international community as a nation that is not only democratic, that has working institutions that respect the rule of law and that are Le Conseil présidentiel de transition, par le biais de son président, ingénieur Edgar Leblanc fils, accompagné de l'autre conseiller président guerrier, est discuté par visioconférence avec président kenyan, M. William Ruto. Et deux parties ont entendu, d'après ça qui était rapporté, désormais les bien pour communiquer autour de questions fosta pour ne pas passer par nous encore. C'est ça que nous avons brûlé, nous défini ou bien nous entendu sous ça, nous même nous avons un canal de communication officiel. Par exemple, si William Ruto pour une raison bien pour l'autre, a accusé dans l'autre état dans Vini Fosla, il y a possibilité à travers canal ça pour le conseil présidentiel là, pour le président conseil là, contacter pour demander le sac chaud, sac fait, comment ça y est. Mais qui nous venu, pour qui ça tel retard, qui ça côté nous, est-ce qu'il m'a toujours venu ou pas? On peut pas discuter. On me connaît, moi, même toujours des potes, yo, à peu, tant de, qui s'accablent, à peu, officiel, etc., surtout les gars, de grandes réunions comme ça, qui doit engager l'État, qui doit engager le pays à guerrier. On ne peut pas le dire plus, mais seul ça, m'a souligné pour les amis auditeurs, yo, pour les amis internautes, yo, matin. William Ruto dit conseiller président, yo, qui le, premier tout Kenyan a privé en Naveya. Depuis mercredi 19. Est-ce que c'est pour question stratégie ou bien pour l'autre raison, le gouvernement n'a pas communiqué sur ça. Et jusqu'à minute, n'a pas parlé là tout, nous sommes effleurés ça, les autorités Kenyan n'ont même tout pas communiqué sur date là. Officiellement, bien sûr. Mais ça que certains m'ont confirmé effectivement, conseiller président, yo, mandé William Ruto, ou bah, yo, on réponse à cette question, qui m'a effectivement fait ça commencer à venir en veille. Et, information qui vient joindre nous, dis-nous que, de manière évasive, William Ruto te dit, conseiller président, yo, dans une réunion deux semaines, tout le bagage set up dans le VIA pour MMS stade opérationnel. La mission multinationale de soutien à la sécurité, MMSS, soulevait quand même de vives préoccupations. Et non pas que c'est mon capitaine de la matinée qui pourrait dire le contraire, parce que nous songeons. Pendant un bon bout de temps, le pays Kenya pour être vraiment clair pour connaître est-ce que le doué a avancé la question force là, est-ce que le doué fait back, est-ce que le doué était sur place, pour plusieurs raisons. Là, c'est pas recours judiciaire qui vient dans le pays Kenya avec question force là, c'est opposition Kenya non, ou bien c'est des partis au niveau de l'opposition. Dans le pays Kenya, il campait bam. Dans le dernier moment, il y a des problèmes au niveau de la capitale kenyane, Nairobi, des mouvements, etc. Côté eux-mêmes, il y a le problème par eux, ils géré. Deuxième élément, tout, donc question de l'argent, qui peut comparer tout, parce que nous clairs sur ça, le Kenya qui prend leadership, ou bien qui prend leadership mission, que le pays, il dit à voyer policiers, militaires, soldats ou autres, nous pas, peut-être qu'il y a des possibilités qu'ils ont droit à aider nous. Mais tout bas là, avant tout, c'est une question d'intérêt. Nous songez ça, porte-parole
gouvernement Kenya a fait comme déclaration officielle. L'agent mission ça pour aider eux-mêmes au niveau de Kenya pour résoudre l'ensemble de problèmes. Donc c'est la preuve qu'ils ont capitalisé en pile sous sa force là ou de mission ça qu'a rapporté eux comme l'agent. Et même que ce force ça, nous sommes visite William Ruto aux États-Unis d'Amérique, sa rencontre avec le président américain Joe Biden. Il y a des coopérations qui sont annoncées, il y a des engagements qui prennent, il y a des protocoles d'accord qui signent en marge de Bazaro. Donc ça veut dire jusqu'à présent, le Kenya a plus intérêt dans ce sens-là que nous autres, Haïtiens, qui quand même doivent bénéficier directement de ça. Quand tu as bien par rapport avec la justice haïtienne, si vous faites des choses dans l'exercice fonctionnel, comment la justice haïtienne va apprécier ça? Qui ça limite là, etc. Donc, on a gagné pour nous retourner en détail, guerrier de soeur, un document ça, on va regarder là avec des mondes qui connaissent, pour nous essayer de l'expliquer mieux. Document ça, que Haïti signé avec Kenya, que déposé dans l'OEA, sous statut mission 1, en substance, on dit ça qu'il a bien gagné. Et document ça, Johnny l'a gagné pour le signer par l'autre pays qui a fait partie de l'émission. Donc, à part Haïti, Kenya, il y a l'autre pays qui a déployé soldats ou policiers qui ont pu signer également. Par exemple, si on est dans force la ville, on a le volet qui a été qui est la justice haïtienne qui a dit ça. Si on est dans force la ville, les ramenages de données, par exemple, qui est la justice haïtienne qui a dit ça. Si yo bat moun ou bien yo ah ouais, alors faut mettre les mots. Faut mettre la gamme. Non, sans blague. Faut mieux pas comprendre. Oui, la gamme, sans blague. Mais là, c'est pas. Mais là, juste avec la ménage. Non. Ça, sans blague. Ma plus parler de viol, par exemple. Oui. Donc, il est sérieux. Viol, par exemple, si on est perdu, je vous casse en dire, je vous casse en dire, le violon, on dit mon, bien le violon, grand monde. Oui. Donc, mais qui limite la justice haïtienne, comment procéder là? Autrement dit, si on commet une infraction, pendant qu'il travaille dans la mission, hein, et sous territoire haïtien, hein, qui limite la justice haïtienne, qui peut-il arriver, qui peut-il pas arriver, et comment procéder la vie pour arriver à faire mounsa et qui concerne à lui répondre des appels. Donc tout ça vient d'un document, n'a pas gagné quand même pour nous analyser le document avec deux mondes qui connaissent, et incessamment, n'a pas venu partager contenu hein, avec amis auditeurs, amis internautes, radio-télévision Caraïbes. Question de l'argent qui sont gros morceaux, dans la question de force la guerre du sol, nous avons expliqué ça là tout à l'heure. Équipement pour les gens qui ont la force là et utilisé pour être capable de faire le résultat escompté au guerrier, c'est des choses qui sont très importantes. Ce que l'État américain a parlé là de Anthony Blinken, il a passé l'ordre. Par le département d'État pour procéder à ça, le financement de 109 millions de dollars américains pour capable aider force spéciale police kenyane déployée dans le pays d'Haïti pour venir aider la police nationale là, bataille contre les gangs armés. Et c'est ça, Miami Herald lui-même lui révélé dans le commencement de la semaine qui s'est passée, soit mardi 18 juin 2024. Et il expliquait que décision. Blinken, il y a une option nucléaire qui quand même visait passer outre deux parlements, bien deux parlementaires. Il y a eu des seuls, nous songeons comment les républicains ont été campés en dambang au niveau du Congrès guerrier, ont été empêchés de faire ça lui-même, les débloquer pour aller financer une mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous songeons qui dit la toile tape faite, etc. Donc, avec autorisation Blinken, non seulement a bien l'argent pour acheter équipement, équipe évaluation qui est venue en Haïti, les autres fins, chita parlé avec la police, chita parlé au gouvernement, ils ont fait recommandation, ils ont dit, mais qui ça a qui gagne, mais qui ça a qui va gagner, bien l'argent, ça va permettre de acheter équipement, recommandation, et il est du seul, mais la permettre tout, dans série de l'autre pays, d'abgarder sous les États-Unis pour eux-mêmes avancer pour porter contribution par eux.
C'est-à-dire, nous disons, ah, les États-Unis qui proposent de mettre force, les États-Unis qui proposent de mettre force, ils vont arriver à l'argent, mais pourquoi l'argent, nous même comme un petit pays, nous ne pas le protéger, nous allons aller comme ça. Et donc, certains ont été censés, parce que nous ne pas comprendre les États-Unis. Parce que nous avons 300 millions de dollars américains qui étaient. Nous ne pas parler que les États-Unis vont aller gagner de seul. L'autre élément encore, on a parlé de l'argent, c'est vrai, les États-Unis, les très impliqués, notamment la question équipement et logistique pour force là, mais au niveau de Nations Unies, qui était quand même autorisé pour ce multinational là, et gagner un basket fond de mettre là, pour tout pays qui voulait contribuer, qui voulait aider Haïti pour dire, bon, mais ça a décidé, mais comment y a baillé, mais à quel niveau y a qu'à supporter, eh bien, l'agent ça a guerrier de seul pendant un bon nombre de temps. Il peut être capable de réunir, tout le monde est quand même là, l'idée est à regarder. Il dit si les États-Unis, lui-même, qui étaient quand même pris en deux, vont camper en mettre force pour qu'alimenter font ça. Donc, il n'y a pas quoi que c'est eux-mêmes qui prennent le pichot devant le bonheur. Bien que sur le terme de référence, mission en tout guerrier, et même au niveau d'Haïti, ça les préoccupe.